Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4 avec la Ligue Celtique en compagnie de Le Cygne Noir et de Dame Ned. Bonsoir les gars. Salut, salut. Bonsoir et on était en train de poser les pieds sur le Nouveau Monde. Ça tombe bien, c'était complètement l'objectif de la série. C'est pas gagné encore. C'est pas gagné, mais déjà c'est pas perdu et ça c'est bien. Putain, mais la Castille, plus 100 de propagation ces colonies quoi. C'est monstrueux. Ah bah tiens, en plus le pape est castillan. Je crois que notre allié est vraiment trop fat. Bon, on va améliorer les relations avec le Brésil castillan du coup. Ah, merde. Ah. Mort de mon dirigeant, union personnelle à la mort. Ah oui, j'espère tiens, que j'aurai un héritier par contre. Ça va pas casser le mariage royal, tiens. Bah moi si. Pas chez moi. Je vais te demander un mariage royal. C'est ça. Allez, mec. La mort de Victor I de Dreux, guerre de succession entre la France et le Danemark. Si on pouvait éviter, ce serait bien. France et le Danemark. Ça pourrait être drôle, hein, cela dit. Bah, c'était pas bien. C'était pas maintenant que tu devais attaquer l'Angleterre. On se refait la même avec l'Angleterre. Si, justement, puisque tu en parles. L'Angleterre, c'est le gros bouc émissaire, quoi. j'ai des casus belli aussi. Bah, il a que 30 ans, mon gars, en soi, hein, mais. Si ça vous dérange pas, je vous le laisse. Hein, oui, bah ça va aller. Après, faut qu'on regarde quand même qu'il a pas d'allié un peu relou, mais. Bah, non, il a Oldenbourg. Oldenbourg. Ça devrait le faire. Attends, c'est quoi Oldenbourg? Putain, mais j'arrive pas à cliquer. Bah, je sais pas bouton, trop là. Ce que c'est Oldenbourg. Cette petite merde tout en haut là. Ouais, bah ils vont. Il est en guerre en plus pour le défendre. Hein. Enfin, bon, il bouge pas de chez lui, hein, je te rassure, mais. Il est tech 10. On est tech 11. On est largement en avance de toute façon. Alors, parle pour toi, hein, mais. Oui, enfin disons que moi je suis moitié moins, mais j'ai des armements du jour quoi. Oui. Et toi t'es le double, d'ailleurs t'es en train de prendre de l'attrition, parce que je pense que t'aimes bien payer, t'aimes bien perdre de l'argent en fait. Non, je viens de me déplacer il y a juste avant que t'arrives pour attaquer. En fait, j'allais attaquer, mais vu que tu m'as dit attends-moi, bah j'attends. Les gars, si jamais on pouvait camper tout l'été dans ce marais, je pense que ça se passerait bien. Par contre, je te laisse déclarer la guerre et m'appeler. Bah c'est ça, fait. Parfait, en plus il est pas sur Oxford, moi ça me va. Bouge pas, chien. Ouais, alors là, il prend tellement cher. Chien anglais. Ah, il n'est pas décédé. Voilà. Le veule. Il résiste. Oui, bah alors, il va pas résister longtemps, moi, je te le dis. Bon, bah du coup, on va investir dans des bâtiments, hein, faute d'améliorer les bateaux, parce que... Bah, j'ai même pas rangé mes bateaux, mais je pense que l'anglais n'a plus de bateaux. Non. Il en a, mais ils sont plus vraiment une menace. 50 points militaires ou 50 points admin? 50 points militaires. Oh là là, vous l'avez rasé quoi. Bah oui, bah de toute façon, t'as vu ce qu'il en reste. Bon, alors je peux me poser en Amérique du Nord. Où est-ce que je le fais? Tu peux? Oui, je peux. Comment ça, tu peux? Doctrine? Ah oui, doctrine. Oui, notre première colonie est terminée. Mais félicitations. Je vais aller au Canada, c'est pas le bonheur. Hein, mais bon. Allez, on va aller se poser en Colombie. Mais c'est vachement bien le Canada. Ouais, bah écoute, je crois. Assez con là. Oula, beaucoup trop cher cette histoire là. Alors la France, on va essayer de rejoindre là. On va prendre Saint-Onge. Allez, France. Puis tu vas revenir. Bon, pendant ce temps là, on va piller un peu. Oui, puis je t'ai pas précisé, mais l'Angleterre est toute seule, son allié là, même par. Bah oui, évidemment. En guerre. Voilà. Je peux adopter l'institution. Alors, ouais. Mais ça pouvait coûter encore un peu moins cher, parce que je suis un peu radin. Oh le mec. Oh, bah, au point où j'en suis dans le retard, hein, je suis plus à. Plus à ça près. Hein. Épopée nationale. Oh. Ouais. Allez. On le fait. Parce que j'aimerais bien revendiquer la France. Hein. Si jamais il perd son héritier, j'hésite pas une seconde, je lui revendique sa gueule. Ah, mais je peux revendiquer l'Écosse. Ah oui, il a plus d'héritier. Je peux... Essaye. En fait, je peux pas parce que t'as 49 de prestige et moi 39. Dommage. Bientôt. Sinon, tu pourrais devenir mon vassal. Attends, mais pourquoi c'est qui les Brême mecs? Pourquoi il y a Brême qui a... Ah bah oui, mais il était en guerre contre Brême aussi. Ah, s'est fait buter, Brême. La tristesse. Bah moi ça me va, hein. Ah putain. Quel boulet. Boulet de Brémois. Tiens, c'est ça. On va y régler ce problème là tout de suite. Et l'Angleterre, bah voilà.
façon, Londres est déjà tombé. Hein. Oh là là, Londres est déjà tombé quoi. Mariage de la caisse. En même temps, il y a même plus de mur à Londres. C'est alors, embauchons cet ingénieur, 44 du cas. Un ingénieur militaire, 2 points de compétence. Ouais, il faut qu'on prenne des mecs là. Moi. Je prends. Portée non seulement je prends, et en plus j'embauche derrière. Bon, 100%, je fais quoi? J'attends d'avoir un héritier, mais le mec il a 30 ans quoi. Ah bah non, mais si t'as 30 ans, c'est mort. Bah ouais, c'est ça, il a 32 ans quoi. Tu vas pas attendre. Bah non. Enfin, tu non. peux attendre un peu, mais bon. Non, Ton attrition. Oui, j'ai. Oh, merci. Putain, les événements de merde là. Bon, bah écoute, non, laisse tomber. Ça attends un pas. Peu si tu veux. Tu crois? Bah, vous êtes pas pressé, non? Enfin, vous avez pas de. T'es pas pressé? Oui, je peux aller au Groenland! Je sais pas si c'est une bonne idée. Ils sont méga hostiles en plus, les mecs. Ah, remarque, j'aurais pu rejoindre la guerre, ça m'aurait permis de prendre sa colonie, ça aurait pu être fun. Tunis m'a rivalisé. Très bien. Ah, il y en a des nouvelles positions. Ouais, bon, je suis pas arrivé quand même. Parfait. Je l'envoie où ce putain de colon? Ah mais je peux aller complètement aussi en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Ah bah ma reine consort qui a péri, bah c'est bien. Oh là là. Putain t'es dans le ah, mal. Ah mais quoi. T'en peux pas, oui, c'est ça gueule de partout à cause du traité de Tordesillas. La trêve avec la France a expiré, attention. Ça fait ultra chier. Le problème c'est que je suis en retard technologiquement, donc je pense que je peux même pas traverser l'Atlantique. Je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe en Danemark là? La Suède s'est révoltée? Est-ce que tu peux me filer la carte du Canada s'il te plaît? Moi? Ouais. Non, le signe noir, merci. Guerre d'indépendance suédoise. C'est très très bon ça. Ouais, alors ils vont se faire écraser mais. Ouais, mais d'accord, mais je peux pas y aller en fait. Je peux pas y aller en. Je suis trop loin, mais je suis trop loin de combien en fait? 463 pour 425, tristesse. Ah ouais, c'est chaud. Tu peux pas prendre la doctrine qui donne 50%? On va se poser le fion au Groenland, les gars, hein, c'est parti. Hein. C'est comme ça. Il va nous falloir quelques hommes pour protéger, parce qu'en plus, les Inuits, ils sont un peu violents, quoi. Je pourrais faire mon connard et backstab l'Angleterre, mais ce serait quand même un peu salaud, non? Bon. Non. Ça c'est fait. Bon, bah, moi j'ai fini de piller, je pense que je vais me casser de là. Tu devrais apprendre à force de faire des parties dans Repas Universalis, tout se fait. Ouais, mais à la rigueur, vous allez l'apprendre en entière de toute façon, là, je pense, vous lui laissez rien. Je sais pas. Ah, si on peut tout prendre, on prend tout, je pense, non? Non? Vous voulez en laisser encore un bout? Ça me va, hein, mais c'est juste que je sais pas si. Ah si on peut, je ne sais pas. Voilà. Parce que si vous prenez tout, l'Angleterre du coup va devenir sa colonie, en théorie. Ou elle va disparaître, je ne sais pas. D'ailleurs, il faudrait limite inviter la Bretagne si on prend tout pour que je lui file le Hampshire. De qualité. C'est à la fin quoi. Je t'invite et je te file le Hampshire et c'est la fin de la guerre. Ils sont où mes bateaux là? Ils ont crevé mes bateaux. On n'en est pas là mais... Arrêtez-vous les gars, arrêtez-vous. Ça suffit. Non mais au pire, comment? Je lui prends et je lui vends hein, le... Ouais, mais ça te fait des mèches de prestige si ça te gêne pas. Ah, bah si, ça me gêne, si. Moins 10, c'est pour éviter. J'essaye de revendiquer la France, du coup, ça me gêne. Ah. Ah, tu vois? Ouais, du coup, c'est con parce que la carte, ça a dû te coûter, des points. Merde, putain, mais ils font plus oui, rien. Oui, mais comment? Sérieux. C'est mieux que rien, disons. Ah, on pourra pas lui prendre tout. Alors, bah, déjà, quand tu prends Londres, ça a piqué, hein. Ouais, c'est 29 de développement, le bordel. Allez, bougez-vous, vous allez rejoindre. Ouais, ici. Au pire, il restera le Kent. Hein. Ah merde, je fais rien de mes diplomates, c'est la honte. Allez, on va aller s'occuper de ce petit sauvage en speed. Et là, il y a d'autres trucs à prendre. Là. T'as des alliés, toi? T'as pas d'alliés. Oublie pas le pognon. Hein. Oui, non, non. Il n'y aurait pas de guerre, tout ça, tout ça. Bon, la France hostile, plus de trêve, ah, moins 39. Bah, si je prends tout ce que j'ai pris, à partir du moment où je prends Londres, je peux plus prendre... Ouais, c'est normal. Sinon, faut pas prendre le Hampshire et prendre les repas, mais est-ce qu'il a vraiment encore beaucoup d'argent? J'ai un peu un doute. Ouais, ça coûte la peau du cul de faire une colonie au Groenland. Ouais, à ce point-là. Un peu, quand même.
Naissance noble. Garantir aux nobles le droit de commander les armées. Les nobles gagnent 10 en influence, non. Les nobles perdent 10 en influence, oui. Et on a adopté le colonialisme, incroyable. Ah, coup d'état militaire moins 10%. Bah oui. Oui, mais oui, mais complètement. Bon, on est à 90%, mais... On gagne du blé, mais il faut pas oublier qu'on paye pas l'armée, hein, donc attention. Parfait. Parfait, au niveau des techs, on peut pas faire mieux pour l'instant. Est-ce que je me dis... Ouais, je vais me distraire par là, et on va aller plutôt... Toi, viens ici, toi. On va se refaire ces cons, mais cette fois en n'oubliant pas de prendre le territoire. Hein, n'est-ce pas? Uniformité. Allez, on paye l'armée. Attention. Non. Propagation 20 par an, c'est quand même vraiment de la merde. Ah ouais, non, mais c'est pourri au début. Hein. C'est un peu le drame. Ah bah oui, moi c'est pareil. Hein. Du coup, tu fais pas la paix? On l'a fait alors? Bon, allez, on l'a fait. Je sais pas. C'est toi qui l'as. Non, je regardais juste comme ça, puisque. Ouais, si, je vais la faire. Sinon, c'est bon. Demain, on y est encore. Bah en fait, tant que ça gueule pas, si tu veux, tu la fais pas, c'est toi qui décides. Hein. Bah ouais, oui, non, au pire, quand il commencera à y avoir des particularistes, tu les butes et puis tu fais la paix, quoi. Ça me saoule un peu de faire durer la guerre ad vitam aussi. Ouais, enfin, s'il y a ton pays en jeu quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, enfin, il a 34 ans. Bon, t'as, tu me diras, ça veut rien ouais, dire. Mais okay, Ouais. On attend. Ça vaut pas le coup de perdre la partie, quoi. Ouais, parce qu'il y a deux youtubeurs après, quoi. Clairement pas. Mais c'est dommage, effectivement. On peut demander du pognon aux bourgeois, ouais, bof. Reviens, toi. On peut prendre une tech, c'est quoi? Ils sont à 5% les pauvres bourgeois chez moi, mais de toute façon, y a rien à leur donner, mon territoire, y a rien à vendre. Enfin, c'est vraiment pitoyable. Ah, je suis pas le seul où ils se galèrent, alors, les bourgeois, ça fait plaisir. Ah bah non, c'est normal qu'ils se galèrent, y a rien à vendre chez moi, à part du bois, éventuellement. Ah mais ils mettent tellement de temps les diplomates à traverser l'Atlantique là, putain les mecs, ils sont où vos hors-bord là? Incompétence administrative. Ah merde. C'est ballot ça. Allez, on déclare la guerre à ces cons. Voilà. Cette fois on n'oublie pas de faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? L'Autriche. Spécialiste du siège, parfait. L'Autriche, est-ce que tu serais moins 1000? Ah oui, non, mais c'est parce que je suis en guerre. Oh, succession contestée sur la Castille. Attendez, stop. What the fuck? Ah, mais l'Écosse et Castille, oui. Elle a 97 de prestige, c'est mort. Ça ne passera jamais. En plus, elle c'est une 4. Reine. Elle a quel âge, la reine, là? 19 ans, ah ouais, non, c'est bon, c'est juste qu'elle vient juste d'avoir. Ah, mais il se passe quoi du coup si jamais elle décède? Alors, si jamais elle décède, un membre de la maison de Dreux montera sur le trône, régence au nom de Concobar de Valois de l'Irlande. Ou alors un membre de la version. En gros, bah, il y a nous trois qui sommes sur la course, quoi. Ouais. Ok. C'est aléatoire. Je suis le seul de Dreux, donc ça veut dire que ce sera probablement moi qui rentrera automatiquement, mais en étant des Valois, vous êtes bien placés apparemment. Ouais, ok. Très bien. Ça peut être à garder sous le coude. Maria. Ça peut être à garder sous le coude. Trahison contre la Bretagne, bordel. Elle se casse une cheville en dansant trop le tango, quoi, ou le flamenco. Les nobles, ils vont se détendre, hein. Et pouf! Quoi, pouf? Bah, pouf, elle meurt. Ah, oui. Je crois que la cheville, elle tombe sur la tête. Oui, je crois qu'elle était morte, tu sais, je me suis dit ah. Ah oui, calmez-vous, ça va aller. Mais je sais pas ce que deviennent ses partenaires mineurs si son roi décède en fait. Je sais pas s'ils rejoignent le. Ah, le t'as appelé ça Avalon? Ça s'est appelé Avalon. Avalon. J'ai rien touché, hein. Oui, chez moi, là-bas, là, le truc que j'ai pris, ça s'appelle Avalon. Ah, ta colonie? Oui, je n'ai touché à rien, moi. Ah oui, c'est sympa. C'est super classe. Bah, j'ai trouvé ça sympa aussi, ouais, c'est vrai que j'aurais pu le dire. Traduction de la Bible, brûlons les copies! Avalon, ouais, c'est vrai que c'est plutôt classe. Alors, la paix. On prend le territoire. Moi, ça s'appelle le fjord d'Eric. Eric's fjord. Ouais, bon. Moi pas aussi, hein. Moi j'aime bien. Hein.
Ok, donc maintenant qu'on a fini cette guerre, on va faire celle-là. Oh, je peux convertir un truc. Converti. À la foi catholique. Alors toi, t'es inquiet, tu peux être inquiet. On va te défoncer le cul, et après on ira bouffer l'Angleterre. Ça sera complètement cadeau. Déclarer la guerre. Privé. La Castille me rejoindrait. Non, ça ira, merci. Je pense qu'on devra s'en tirer. Allez, on continue un petit peu. Il y a du pognon à se faire à Essex. Il me faut des... Qu'est-ce que je pourrais faire avec mes diplomates, quoi. Période difficile. Allez, on va essayer d'être potes avec nos voisins. Encore demander des choses à l'Irlande. Non, on va rien demander à l'Irlande. Plaît-il ? Ah, on les a pas butés, c'est l'événement où tu peux gratter aux autres. Ah oui, oui, d'accord. Je vois. On les a pas tués, les Arawaks. Oh putain, ça va être tellement long. Oh. Ah ouais, non, mais là... 25% de la colonie. Ah puis, espère qu'il n'y ait pas un traité qui se pose, hein, parce que traité, c'est moins 20, quoi. Direct, hein. Non, mais moi, je suis pote avec le pape, il va me filer l'Amérique du Nord. Il venait pas de te détester ? Le pape ? C'est pas avec lui que t'avais eu moins 100, là ? Si, mais... Pas tant que ça. Juste un au peu. Au final. Le Brabant m'a rivalisé. Ok, très bien. C'est un malentendu. Loin, hein. Cela dit. En fait, niveau démonstration de force, on est comment ? Pff, on est pourri, quoi. En fait, faudrait que j'attaque l'Angleterre et que je l'humilie, à la rigueur. Alors, ça qu'est-ce qu'on bon peut temps, prendre ? Ça. Longévité des navires améliorée pour les. Ouais. C'est pas ouf, hein. Une doctrine militaire, oui, on prend, ouais. Alors, du coup, en fait, la Suède a perdu la guerre contre le Danemark. Elle est redevenue membre de l'Union personnelle, mais du coup, elle est plus en intégration. Ouais, ça remet à zéro, ouais. Elle a quand même toujours à 42%. Hein. Ils ont au moins gagné ça. Gagné ça, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, hop, technologie 10, enfin. Ouais, puis après, on va aller essayer d'explorer la Colombie, puisque visiblement, on va devoir se poser en Colombie. Ouais, c'est 45 de propagation, c'est pas si mal. Ouais, ça vaut le coup, on s'en fout. Putain, j'ai colonisé un bout de glaçon, sérieusement, quoi. Ouais, bah... Ouais. Ça... Je vous laisse deviner ce qu'on va faire comme commerce. Bah, du bois. Du poisson. Perdu, c'est l'autre. Ah, c'est le poisson. Voilà. Du poisson. Quel... En même temps, dans le coin. Bah oui. Moi, j'ai du café, du cacao, du sucre, ça va, c'est pas trop dégueu, quoi. Toi, t'as quoi, toi ? Du sucre. Ah, c'est pas mal. Du cacao, ouais, c'est bien. Hein. Ouais, non, moi, je sais pas, je suis bien. Hein. Mais en même temps, c'est plus riche sur ce coin. Hein. Bah, l'Amérique du Sud, on sait que c'est plus riche que l'Amérique du Nord. Hein. Moi, je pense que je vais avoir des glaçons. Ah, puis bah, du coup, dans la nouvelle, je ferai des pierres précieuses. Bah, ça va! C'est propre! Mais t'as combien de colons? Un seul. J'en ai qu'un. Tu vas quand même super vite avec un seul colon. Ah non, mais c'est que. Ah non, j'en ai fini qu'une seule. Les autres, c'est des sauvages que j'ai bouffés. Ah, ok. Bah oui. Le Portugal, il a pas peur de la Castille, hein. Il se pose, hein. Il s'en fout, lui. Quête du Nouveau Monde. Ouais, je vais pouvoir récupérer 3 bateaux explorés. Est-ce que ça, oui, en fait, coup, c'est abusé parce que le Portugal, il profite du traité de Torcida Castillan, quoi. Tordesillas. Tordesillas, là, ouais. Tordesillas. Tor truc. Le mec, là. Le traité Holden Passo. C'est ça. Holden Passo. Pas mal. Ah du coup, la France, c'est moins glamour, hein, tout de suite, les alliances qu'elle a depuis qu'elle est plus avec nous. Lorraine, Toscane et Liège, bon, Toscane encore. Elle fait un peu moins la maligne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est clair qu'elle fait moins la maligne. Bon, bah finalement, pour explorer longévité des bateaux, on va le prendre. Attends, c'est quoi ça ? Polymath de l'étranger ? Ah, demandons la paix, bon bah là, exitude et tout. Ouais, il commence à faire salement la gueule. La France va pas m'aimer, ou alors je gagne du prestige et la France m'aime. Laisse la pause, hein, je vais demander la paix du coup. Hop là. Alors, ce qu'on va faire. Vous êtes parti, vous ? Attends.
Ah oui, putain, je me disais, c'est quoi ça? J'ai fait exprès de pas le dire, c'est bien. Là, la petite... ça fait toujours flipper, c'est toujours cool. Quoi, on est en pause, Elie, il me demande un truc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ramène les troupes? Ouais, on va ramener les troupes. Ouais, ça voilà. Va les plus. Du coup, on va. Je te laisse Tips filer le. Alors, me file Oxford et filer Lampshire à. L'autre là. Breton. Ouais, ouais. Ça t'embête pas. Puis je vais. L'autre. Ah, j'ai fait exprès. L'autre, non mais. L'autre. Et pas plus l'autre. Insultant que l'autre. Hein. Non, mais c'est super insultant, je reconnais. Je. Ça, d'un manque de respect total. Allez les bateaux, vous avez qu'à vous allez vous ranger, vous réparer un peu. Bah et si tu veux me filer, si tu t'en deux secondes, je peux peut-être prendre sa colonie et puis tu peux me la filer aussi. Je sais pas ce que ça coûte. Bon bah dépêche-toi, vas-y. Je pense à ça. Mais... Oh, mais t'es en guerre. Mais il m'a invité là à l'instant. J'ai un invité pour lui filer le Hampshire. Comment? Pour ça que j'attends. D'accord, bah précisez, parce que je pensais qu'il fallait lui passer, mais après là. Ah non, c'est maintenant. Ah non, je sais pas moi qui fait des gens. Tu lui as appris la fourberie, maintenant il va, toi. Putain, mais Oxford, mes mecs ils demandent la paix, quoi. Demandons la paix. Oxford, faut me le donner maintenant, pas demain. Hein. Ah, tu prends Oxford, toi? Bah, c'est mon état. Ah, tu veux pas qu'on complète les états? Bon, je te le donne, hein. Mais c'était pour faire les états. Ouais. Non, mais si tu veux, après, c'est pas que. On peut ça. Ouais. Ah, mais ouais, ça fait pas cher. Hein. Tu lui files un bosquet, quoi. Après, la Grande-Bretagne, c'est quand même plutôt écossais. Hein. Moi, je vous laisse Lampshire si vous voulez. Hein. Je suis pas chiant. Hein. Ouais, c'est bon. Non, mais en plus de ça, tu vas râler parce que le Gloucester, je vais même pas te le filer en plus. Quoi? Non. Bah ouais. Non, mais si tu veux, je te mais file. Mon bosquet, déconnez pas. Non, mais je te file. File lui ça. Non, mais c'est pas ça le problème. Je trouvais que c'était plus facile de fermer le Kent et d'englober l'Angleterre sur un seul territoire où dès que ce sera la trêve, tu peux lui prendre. Que laisser le Kent qui peut. Bon, après, je peux plus laisser le Kent. Oui, si t'as raison, on fait comme ça. T'as compris pourquoi je faisais ça? Oui. Et en soi, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est bon, tu l'y as pris? Ok. Bon. J'ai mis pause hein, parce que pendant ce temps-là, je perds des sous et mon peuple gueule parce qu'ils veulent la paix, tu vois. Et attends, je vais voir si je peux te filer ton truc. Genre, la guerre m'a coûté super cher, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, tu t'en sors bien, hein. Je peux te le filer. Hein. On est pile à 100%. Non, mais c'est pas toi, c'est le truc de Victor. Ah, d'accord, bah, c'est pas gentil. Son truc à lui. Non, Gloucester. Attends, deux secondes, bouge pas. Je regarde, mais à mon avis, il voudra pas. Non, il veut pas. Non, mais au pire, je le prendrai moi-même dans 10 ans. Son... Bah, c'était le but, c'était le truc, ouais. Bon, bah, ok, allez, c'est parti. Pourquoi j'ai plus de thunes? Pourquoi j'ai pas eu de thunes, je veux dire. Parce que j'ai pas pu lui en prendre. D'accord. Ah non, mais on était pile à 100%. Hein. Je suis très triste. Ah, du coup, Désolé. Moi, ça me coûte une blinde, la deuxième colonie, par contre. C'est bien, il y a une coalition contre moi, tiens. Ah oui, carrément. Ouais. Bah, bravo. Qui a été rejoint par Tunis. La Bourgogne et le Brabant. Oui, bon, bah ça va, c'est pas la menace du siècle. Non, ça va. Surtout avec la Castille et l'Autriche. C'est sympa, mais on perd une masse de thunes quand même, nous. Ah ouais, bah moi aussi, là, c'est un peu le drame, la thune. Ah, la Flandre aussi a rejoint la coalition. Si je baisse l'armée, ça suffit pas, quoi. Et la France devient mon rival. Oh là là, la vache, ça coûte tellement cher, ces conneries. Et wouhou, je suis une grande puissance. T'es une grande puissance? Facile avec Londres. Ouais, je suis passé 7ème. Bien joué. Ouais bah c'est la prise comment de Londres, hein. La prise de Londres pas, hein. La prise de Londres hein, ça pardonne pas hein. Ah putain comment on perd des sous, c'est le drame absolu. Moi aussi c'est un peu l'hémorragie là. Faut que je baisse les frais coloniaux hein, c'est pas possible. Et ouais. Je peux pas me pas entraîner l'armée. Avec deux colonies d'un coup là, c'est le drame quoi, ça fait trop mal. Et je vous laisse apprécier le territoire anglais chez lui qui lui reste. Mon Gloucester. Oui, ouais. Tu t'inquiètes pas. Et tiens, en parlant de ça, tu vois, j'ai même perdu de précise, je vais te filer le Lancashire comme prévu. Ouais, bon, bah les bateaux de transport, ils vont se détendre. Ah, parfait, allez, on nomme.
Ouais, mais non, mais faut. Dermaid Chomoldele. Faut terminer ce truc là. 50 par an, on est à combien? Dans 2 ans, c'est fini. Ouais, faut qu'on tienne. Et tu vas explorer l'Atlantique Nord, mon gars. Plaît-il? Ah oui. Merci. Bah, quand même. Non, moi, c'était vraiment pour finir les états, hein. Franchement, sinon. Oui, soir, c'est plus propre foutais, comme hein. Ça. Bah. Pff. Spectacle de la Comédia dell'Arte. Et si tu dois t'en prendre à quelqu'un, tu t'en prendras aussi, Yeux Noir, parce que je m'en foutais avant, et en fait. Oh, lui, comme il. Lui, non. Non, mais c'est vrai que du coup, en respectant les états, ça... déjà, c'est moins moche, tu fais pas autant de border gore, parce que ça a une certaine logique, quoi. Ouais, c'est ça. Je préfère, perso. Ouais, bah, puis voilà. C'est quand même vachement plus rentable, quoi. Certes. Ah, la France est en coalition contre moi? Ah, j'avais pas vu. Oups. Ah, ça, c'est un peu plus violent. Elle m'a averti, coalition, ça va devenir un petit peu le drame. Moi, elle m'aime bien. Donc, j'ai qui contre moi? Alors, j'ai la Bourgogne, la France, Brabant, Flandre et Liège. Ah, non, c'est pas possible, quoi. Bon. Assimilation de... Oui, des indigènes. Venez chez moi, c'est vachement bien chez moi. Ouais, alors, les missionnaires, la marine... La preuve, on a putain. Plein de biens, du type... comment dire? Bois. Ouais, mais pas que ça, hein. Non, ah bah non, ah bah non, non. On a deux d'inflation, on va dégager deux d'inflation déjà. Par exemple, on vend beaucoup de... Les forteresses. Ah, bah, putain, whisky. Les forteresses. Je recherche les... bien commerciaux. On a beaucoup de vaches. Ah oui, aussi, oui. C'est très très bien. Bah, d'ailleurs, tu vois, sensible à mon argumentation, voilà de nouveau des indigènes qui arrivent. Ah bah oui. Je sais même plus où on le voit, les biens commerciaux. Parfait, on est monté à 518. Énorme. C'est déjà revenu, toi. Les nobles gagnants. Paye pas pour me lander au port, putain, mec. Mais fais chier, c'est haut déjà, type, parce que tu vois les biens commerciaux que tu as. C'est bon. T'as une carte, comment, bien commerciaux. Ah, c'est une carte, tout simplement. Quand... Je suis dans les menus, moi. Bordel. Faut que tu termines, machin. 975 colons, allez, termine-toi, faut que tu Ouah, la révolte à Londres de 33 000 Anglais. Ça a pété déjà là? Ah ouais, 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 je l'ai même pas vu, hein. Grave. Ah la vache. Je l'ai même pas vu arriver, hein. Y a besoin que j'envoie des renforts ou pas? Parce que je suis un peu à l'autre bout du monde là pour l'instant. Non, non. Bah ça dépend, t'étais combien maintenant? 10? Ah, oui. Moi? Moi, je suis 11. Ouais, 10, ouais, ça y est, je suis 10. Ouais, ouais bah avec moi, j'arrive, ça peut se passer correctement. Ça peut. J'ai 11 000 hommes, hein, les autres ils sont en train de se les geler au Groenland. Ah ouais, bah moi j'en ai quelques-uns aussi. Mais t'avais pas pris la doctrine pour que les mecs ils attaquent pas? J'y vais, hein. Hein? Je sais plus ce que j'ai fait. Pas la doctrine, la politique commerciale, là. Enfin, indigène, enfin, ouais. Je sais pas laquelle j'ai pris, moi. Bah ouais, mais si vous avez pris ça, y'a pas besoin de mettre des troupes dessus, hein. Ils péteront jamais, les gens. Hein. Oui, c'est vrai, La politique. Ah si, j'ai une coexistence avec les indigènes. Ouais, voilà. Ça explosera jamais, hein. Faut pas envoyer votre troupe. Je suis vraiment trop con. Non mais moi c'était plus pour mettre un conquistador en bout d'un moment et aller se balader. Mais en fait c'est absolument pas rentable, il vaut mieux faire commerce, non? Bah ça dépend, ça dépend si t'as des troupes à mettre ou pas quoi. Par contre si tu changes tu perds un stab. Hein. Ah ouais. Ouais bah non. Ça fait chier. Hein. Bon bah allez let's go hein. Bah c'est parti. Attention. Oh là ça là. Va le faire je pense. Termine-toi. Combien? Ouais, 996, ouais, foutez de moi. Tu crois quoi, les troupes d'élite irlandaises? Ah, oui. C'est ça. Ça y est, on va gagner les sous. Quel talent. Merci bien, pardon, hop, je vais par là, moi. On est plein de talent. Voilà. Ça, je n'en doute pas. Vous pouvez y aller, les gars, je sais que le bateau est pas réparé, mais je suis sûr que ça passe. On gagne des sous. Par contre, ça m'a coûté la peau du fion, cette histoire. Et ici, il y a quoi, d'ailleurs? Du bois exotique, ouais, c'est pas si mal. Attrition maritime, oh bah ça va. Oh, pourquoi je perds de la thune, moi? Ah bah oui, 4, la corruption, 3, par exemple. 3, 4, oui, ça joue. Ouais. C'est vrai, je l'avais oublié, ici. Celle-là, pour être honnête. Par contre... Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, va falloir que j'obtienne le traité de Torcedillas colombien, moi, y'a pas moyen. Mon philosophe est mort, bah merde. Notre impétuosité jette l'effroi chez l'ennemi, mais oui. Ouh, 56 de prestige, hein. Castille? Castille. Tu n'as pas d'héritier, Castille? Ah, mais t'es toujours trop de... Je t'en pomme de ça, moi. Il me faudrait un vrai mec. 99 de prestige, la Castille, c'est le drame.
Et pourquoi on perd autant de prestige là? Déclin moins 2,83, c'est quoi cette ghost-cause délire? Quel est le fuck? Un inquisiteur, ça m'emmerde. Ici, c'est un théologien, ça m'emmerde un peu aussi. Ici, j'ai même. Oula! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Brabant vient de me déclarer la guerre. Oh putain, il y a du monde en face. Hein. La... Oh la quatre vache! Pays, Brabant contre putain. Écosse, Brabant, Bourgogne, Hollande, Flandre, France et Liège. Oh putain! Oh putain! Bon, après, on a la Castille, on a l'Aragon. Ouh, la petite guerre européenne. Eh ben, rejoignons gaiement. Alors attendez, faut réfléchir. Moi j'ai dit on aurait dû arrêter l'épisode sur ça, c'était trop un cliffhanger quoi, mais bon. Ouais, bah on va s'arrêter quand même réfléchir. Oui, c'est vrai. Rentrez les bateaux. Bah justement. Je pense que là il faut vérifier que la France a une supériorité par rapport à nous au niveau flotte, parce que si c'est pas le cas, elle pourra jamais venir en Écosse. Elle a 6 bateaux lourds qui sont au-dessus de Caux là. Ouais, mais 6 bateaux lourds contre toute notre flotte, ça tient quand même pas assez quoi. Et il y a. Moi je suis en train de me faire sauter dessus par 9 bateaux hollandais. Je devrais les battre. T'as déjà dit oui toi? Ah bah moi je rejoins ouais. Mais pourquoi tu rejoins? T'es fou? Mais non, je protège. Mais il y avait moyen de le laisser complètement crever. Je veux dire, t'aurais laissé la Castille et la France se mettre sur la gueule, nous on était tranquille de l'autre côté de la mer en fait. Ah oui, c'est pas faux. Parce que le souci c'est que toi t'es exposé, t'es en putain de front là. T'es le front, c'est toi le front. C'est pas faux. Voilà, bah du coup ouais, maintenant mais... que t'as dit oui, on va dire oui. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est un breton, il est sympa, il a le cœur sur la main, et moi, il a pas réfléchi une seconde, tu vois. Moi, il a plus d'aller se attaquer, je fonce quoi. Littéralement, il risque d'avoir le cœur sur la main, ça a pu être une expression quoi. C'est ça le souci. Mais moi, je vais, s'il faut, je pèterai mes bateaux, mais je débarquerai en Bretagne pour l'aider. Même si je servirai à rien, mais c'est pas grave. Ok, bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer là-dessus. Moi, je vais ni refuser ni accepter maintenant. Hein, voilà. Te laisse le temps de la réflexion. Je vous laisse complètement dans ce cliffhanger putassier. Et on verra, au prochain épisode. J'espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à aller voir la perspective de notre ami breton sur sa chaîne, dont le lien est dans la description. Potentiellement bientôt français. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette guerre qui s'annonce compliquée. À très bientôt. Bye bye. Salut à toutes et à tous.